DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo RDC, Guinée, Équateur, Guinée, c'est la grande affiche du jour que les sportifs congolais attendent impatiemment. Un match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Les Léopards jouent les Sili nationales sous les coups de 21h de Kinshasa au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Les Fèves congolais se sont qualifiés à cette étape de la compétition après 3 matchs nuls à la phase de groupe respectivement devant la Zambie 1-0, le Maroc 1-0, la Tanzanie 0-0 avant de battre l'Égypte au tir au but 8-3 en 8e de finale après nul d'un but partout dans les temps réglementaires et prolongation. Pour sa part, la Guinée s'est qualifiée après sa victoire en 8e de finale face à la Guinée équatoriale 1-0. Lors de la phase de groupe, la Guinée a fait match nul face au Cameroun 1-0 avant de battre la Gambie 1-0 pour perdre face au Sénégal 0-2. C'était lors de la 3e journée de la phase de groupe. Quelle image avez-vous sur les deux adversaires RDC Guinée? Suivez ce reportage de Didier Blé, notre confrère de la radio de la paix, ancien média des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Deux outsiders à l'entame de la compétition qui, par leur abnégation, ont fini par être de sérieux prétendants au titre suprême. Pour les Léopards, il est question de rééditer l'exploit de Pierre Moulamba Moutouboula et les siens en 1974. Mais en face, il va falloir affronter les éléphants guinéens. Pour le coach des Léopards, Sébastien Desabre, c'est un match ouvert face à une équipe qui joue bien au ballon. Jeudi, en conférence de presse d'avant-match, il a dit s'attendre à un match ouvert contre le Sili au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Et Desabre, quelques heures auparavant, avait souligné que cette CAN 2023, loin d'être une CAN des surprises, est une compétition où les équipes qui se sont bien préparées sur la durée récoltent tout simplement le fruit de leur travail. Reste à revoir l'efficacité de Sepoulin devant les buts. 3 buts marqués en 4 rencontres pour 3 nuls en phase de poule et une victoire au tir au but face aux Égyptiens en 8e de finale. La Guinée, de son côté, est sur son nuage. Le coach Kaba Diawara est confiant quant à une qualification ce vendredi face aux Congolais. On n'a pas de plan spécial. Mentalement, nous sommes prêts à gagner contre la RDC, charriant pour la suite les Léopards. Nous allons utiliser leur chicotte contre eux. Il a souligné en conférence de presse d'avant-match. Notons que les Léopards ont remporté leurs 2 derniers matchs officiels face au Sili lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La dernière défaite de la RDC face à la Guinée remonte à la CAN Tunisie 2004. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h, heure locale, et l'arbitre algérien Mostafa Gorbal a été désigné par la CAF pour diriger ce match entre la RDC et la Guinée. Didier Blé depuis Abidjan pour Radio Okapi. Pour les analystes sportifs congolais, ce match sera très ouvert, mais la RDC doit faire attention face à la Guinée, a déclaré Sonny Médard Kazadi, encadreur sportif que nous avons joint depuis Kananga. Le match de ce vendredi sera donc un match très très ouvert et ça sera un match des entraîneurs. D'une part, Sébastien Desabre avec une équipe en reconstruction et Kaba Diawara également en reconstruction depuis 2 ans, dont l'objectif principal reste la Coupe du Monde. C'est vrai, la République démocratique du Congo a un ascendant psychologique pour avoir gagné le plus des matchs entre les deux équipes. Mais attention, j'invite le public sportif congolais à la retenue et de ne pas rester dans le triomphalisme, pensant que la Guinée de Kaba Diawara sera facile à battre. La Guinée inspire un peu de respect, car c'est quand même la Guinée de Sherif Souleymane, de Petit Souris, de Bengali Sila, de Aboubakar Titi Camara et Pascal Feyounouno, pour ne citer que cela. Et
la RDC reste le Congo de Ndaye Moulamba, de Djento Kibonge, de Kakoko Etepe, de Kalala Mukendi et pourquoi pas de Trésor Mputu, Bokani, Benzoa ou autre Mbala Mbuta Biscotte. Notons que le même jour, on aura un autre match des quarts de finale qui va opposer les Super Eagles du Nigeria au Palancache Negras d'Angola sous les coups des 18h de Kinshasa. Ça sera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les quarts de finale vont se poursuivre demain samedi 3 février avec deux autres matchs au programme. Les Aigles du Mali vont découdre avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la compétition. Ça sera à 18h. À 21h, le requin bleu de Cap-Vert vont se mesurer au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ligue nationale de football. C'est pour accéder à la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais que pensent les Quinois de cette rencontre? Ceux que Marie-France Mungindu et Alpha Mpoissa ont rencontrés à Kinshasa sont plutôt optimistes. Je vous propose de les écouter. La RDC contre la Guinée, les pronostics étant que réaliste, je dirais que ça ne sera pas facile. Mais comme patriote, je pronostique qu'on va gagner. 2-0. Je plaide en faveur de la RDC avec une victoire 2-1. Des buts de Mayele et Bakam. Je pronostique en faveur de la RDC 2-1. On va remporter la victoire par 2-1. Nous gagnerons 2-0 ou 2-1, mais nous gagnerons. En tout cas, 2-0. Si pas 2-0, 2-1. La victoire est certaine de notre part. Nous avons toujours de l'espoir. Pour moi, 2-1. Nous serons qualifiés. La RDC va battre la Guinée par 3-1. 2-0. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à prendre les coupes. 2-0. En tout cas, nous, on va gagner. Même 5. 5. Ouais, 5-2. Eh oui, la RDC joue la Guinée ce soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre qui déchaîne les passions chez les Louchois également. Si la plupart croient dur comme fer en la victoire des Léopards, d'autres jouent à la prudence tout en espérant voir la RDC briser le signe indien qui la poursuit depuis des lustres sur l'échiquier africain. Quels sont alors les enjeux de ce match, Jean Gandou? Ce match est qualifié par certains Louchois comme celui de tous les dangers et de tous les enjeux. De tous les dangers parce qu'il est à élimination directe. Après un parcours élogieux depuis le début de la compétition, les Léopards ne doivent pas baisser les bras et se laisser éliminer à ce stade, ce qui sera une véritable déception pour les Congolais qui croient en la renaissance de cette équipe nationale. Ce match est aussi de tous les enjeux car la RDC est à deux doigts de la finale qu'elle n'a pas jouée depuis plusieurs décennies. Et pour y parvenir, de nombreux Louchois estiment que la clé de la victoire des Léopards se trouve bel et bien entre les mains du sélectionneur qui doit monter un 11 national capable de s'effrayer ainsi un chemin pour le tour suivant. Pour d'autres, les Léopards doivent aborder cette rencontre sans s'appuyer sur les statistiques qui montrent que la RDC a une ascendance sur les Guinéens car cette CAN est pleine de surprises où les favoris plient bagages les uns après les autres. Ils demandent donc aux Léopards de mouiller le maillot car les Guinéens ne sont pas arrivés à ce stade de compétition par l'effet du hasard. D'où, d'après eux, la prudence doit être de mise et les joueurs doivent se sublimer et faire mieux que lors des matchs précédents en marquant des buts. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi. Pendant ce temps, beaucoup de fans de football dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, notamment dans la cité de Mouesso, sont privés de suivre cette compétition africaine. Angoissés et stressés à cause des affrontements dans leur région, ils ne peuvent se déplacer pour suivre les matchs dans des salles de cinéma. Ils disent toutefois soutenir les Léopards. L'un d'eux a été joint par Denis Lukesso. Nous sommes en train de suivre la CAN, mais les problèmes avec la zone est dans la sécurité totale, donc on n'a pas vraiment assez de temps à suivre les matchs. Surtout pour se déplacer pendant la nuit, on est en train de quitter plusieurs quartiers pour se déplacer là où il y a des cinémas pour regarder les matchs. Mais le problème, c'est l'insécurité. On a peur. Comment assister à des activités sportives lorsque vous voyez qu'il y a des bombes partout, des affrontements partout? On a peur d'être la cible des attaques. C'est vraiment un défi, une difficulté de notre part pour bien suivre les matchs en territoire de Massissi, surtout que partout il y a l'insécurité, il y a des bandades, déplacements des populations, il y a des coups de balles partout. Alors on a peur vraiment. Toutefois, nous sommes d'accord avec notre grande équipe et Léopards.